Mais là, je suis encore freeze, hein, alors que j'y vois plus le gadget. Attends, mais c'est quoi ce bug? C'est notre le premier bug, je suis limité là. Allonge-toi! Non, ça fait rien, je crois. Who are you? Your best teammate. Remember it. Allez, en avant. Je vais renforcer le mur, poulet. Déjà, on va voir ce que ça donne. Vas-y, envoie. C'est ah ouais, instant. C'est et ça me freeze moi aussi. Ah, mais moi ça me freeze aussi. Je peux plus marcher. Ah, ça on voit mes pieds. Ah non, moi ça me freeze pas. Mais what moi, the fuck. Je vois tes pieds. Ah, et ça reste combien de temps du coup? 15 secondes, je pense, non? Attends. Pourquoi ça a fait péter les deux aces d'un coup? Parce que le premier il avait déjà chargé. En revanche, il y a un overlay autour de toi. Enfin, le highlight là. Il fait les clés morts ou pas le gadget? Il fait les clés morts? Ouais, vas-y. Ah ouais, c'est cheaté. Et je peux pas le récupérer, on est d'accord, c'est une seule une utilisation. Ah, et le truc s'allume après. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Oh, j'ai hâte de jouer sur cette map, les amis. Attends, je vais jouer sur la vertie. Bouge pas. Ouais. Ouais, là, ça me fridge. Et bouge. Ouais, je bouge, là. Et tu vois mes pas aussi, du coup. Mais j'ai un C4, surtout. Et moi, je peux le casser, le gadget, ou quoi? Bah, je pense pas, non. Tu voudrais le casser comment? À quel moment? Bah, en tirant dessus. Enfin, ah. Une aide ou avec une rame. Ok, vas-y, je vais l'envoyer sur le mur, là. Ouais, ça le casse. Ok. Et ça enlève le truc direct. Mais en revanche, c'est instant le truc. Donc, c'est pas du tout comme un kite. Il est pas accompagné d'un bandit. Il sert à rien juste à faire perdre 12 secondes. Mais c'est énorme. C'est quand même très avec puissant comme opérateur. Il va être génial. Avec un bandit, ça va être surcheaté. Pour du bandit trick, ça va être le truc sur lequel ça va être le plus utilisé. Viens, il te reste une charge ou pas? Il m'en reste deux, ouais. Attends. Bah, laisse tomber, saute de la trappe. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Même pour Romé, à la limite, ça ralentit vraiment beaucoup, genre fil barbelé ou pas? C'est pire qu'un Melusi, je crois. T'imagines, en tant que roameur un peu, qui a envie d'aller se balader, qui a envie d'aller se faire plaisir avec la MPX, bah, c'est compliqué quand même. Dans l'état actuel du jeu, tu peux pas vraiment faire des gros swings de ouf. Déjà, la première utilité, je pense, sur la défense du hard breach, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais alors, je sais pas par où entrer, du coup, on essaie partout, hein. Tu vas poser la première truc, tu vas freeze, refreeze. Ouais. En mode, t'as envie de me deny le plus longtemps possible. Ok, ça part d'entre 3, 2, 1, top. Putain la vache, ah ouais. Ah oui, et puis ça te prend une partie de l'écran en plus, c'est bien chiant quoi. L'effet est stylé en manche. Ouais, tu peux tempo une minute comme ça. Ouais, 45 secondes quoi. Essaye de poser un thermite pendant que ça gèle, je sais pas si c'est possible. Ok, bah vas-y, attends, j'attends la prochaine fois. Là, ok, je peux pas récupérer mon thermite, je le casse, j'en pose un autre. Ouais, du coup, non, non, ça le gèle automatiquement. Alors, je peux le récupérer en revanche très vite et le mettre de l'autre côté. En plus, ça te freeze les pieds. Pour un mec qui est en mode thermite sur une ouverture de T1, qui est souvent un double wall sur lequel tu vas vouloir venir prendre ta charge, récupérer ta charge, la mettre sur le côté, c'est quasiment impossible. Ça va nécessiter une ouverture de T2 un peu comme on l'a vu pendant le Major, c'est-à-dire d'un côté un Thermite et de l'autre un Ace qui est en train de faire un autre truc. C'est-à-dire si c'est pas un Wall XT, c'est un Free C4, hein. Ouais, carrément. Est-ce qu'il t'en reste un là? Non, j'ai plus. Ok. Essaye de prendre un Thermite encore avec Smoke. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, balance une Smoke déjà. Ouais, bon, non, ça fait rien. Ah ouais, on voit mes yeps dedans quand même, hein, moi aussi. Et puis ça me dit que je suis sous l'effet. Mais effectivement, ça me ralentit pas. Toi, vas-y, rentre dedans. Putain, la vache. Mais là, je suis encore freeze, hein, alors que j'y vois plus le gadget. Attends, mais c'est quoi ce bug? C'est le premier bug, je suis limité là. C'est horrible parce que non seulement il y a le truc visuel, mais en plus, il y a une espèce de. Essaye de me tirer dessus, on va voir si ça enlève. Ça enlève rien du tout. Ah si, ça a enlevé les pas. Maintenant, c'est les pas sont plus les mêmes. Les pas sont les pas que tu vois sur la verticalité maintenant. Allonge-toi. Non, ça fait rien, je crois. Bah, par contre, si ça fait ça un game, ça va être long. Hein. Attends, mais on entend trop bien en plus, attends. Mec, t'es en train de marcher sur des chips, sérieux. Alors, on a le Covid ou quoi? C'est quoi qui a fait ça, la smoke? T'as fait quoi dans le truc? Bah, j'ai été dans la smoke. Ça se trouve, ça. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je vois encore mes pas bleus, hein. Attends, écoute, bouge pas. Ouais, ça fait un oui. Ah, bah, mec, tu respires en mode t'as froid et tout, tu fais énormément de bruit. Parce que, mets-toi là, bouge pas. Attends, est-ce que si je m'avance un peu, tu vois la fumée de ma bouche? Non, là, tu vois mon arbre? Ouais, non, on voit pas. Ah, mais fumée. On t'entend bien, en revanche, en train d'avoir super froid. Hein. Ok, bon, mais je vais te remettre un coup de froid pour te redonner du chaud. Peut-être qu'il faut que tu passes dans un goyot, je pense. Qu'est-ce qui se passe si je te l'envoie en pleine gueule? Bouge pas. Ouais, j'ai perdu 5 HP. Attends, peut-être si je refais ça. Bah non, ça bug, c'est tout. Là, pour le coup, c'est un bug. Allez, on abrège tes souffrances.
Vas-y, mets-le sur le mur là. Ah ouais, ça gèle. Putain, la vache. Du coup, un Zofia aussi, je pense. Zofia, je suis pas sûr. Hein. Ça balance ah ouais, le truc. Ouais, c'est à l'explosion. Ouais, putain, la vache. Ça, c'est incroyable. Donc, même ça, quoi. Drone, du coup. Et je balance. Ouais, ouais, totalement. Ça fait un mute. Dans la logique, ça casse. Enfin, ça frise les C4 de tes mates, non? Bah, ton propre C4, alors vas-y, balance-le dedans. Ah ouais. Essaye de le faire buter? Ouais, je peux pas. Ah, putain, la vache. Essaye de mettre ton truc, genre ici. Et après, ouais, t'essayes de faire un truc en cloche pour m'envoyer à moi qui serait de l'autre côté du rond. Et qu'est-ce qui se passe pendant le travel time, en fait, de ton C4? Vas-y. Donc, au-dessus, jusqu'à moi, là. Raté. Ah ouais, c'est cheaté. Là, je pense que je pourrais le faire exploser, mais que ici, là. Donc, il a commencé à se freeze en l'air, on est d'accord, vers là, là, parce que je t'ai entendu appuyer sur le bip. Putain, c'est incroyable. Ouais. Ying, sur B. Vas-y, balance, je vais mettre mon truc avant. Oh, c'est trop cheaté. Tu l'avais cooké? Non, non. Ok. Je l'ai jeté contre. Et en plus, tu peux tirer dessus, là, non? Bah oui, oui. Là, elle est finie, là. Du coup, vas-y, cook là. Mais après, il roule, quoi. Oh la p***. Ça va faire des putains de surprises, n'empêche, non? Quel est l'intérêt de voir les pas si le C4 se fait freeze sur la verti? Bah, quand même, c'est l'information de savoir où est la personne, quoi. Et puis, tu peux le faire avec le bon timing. Un mec, tu vas prendre l'information de là où il est, et derrière, tu vas prendre l'information de vers là où il va, quoi. Test Capitao, please. Du coup, vas-y, balance. Ouais, ça fait. Oh, c'est ouf. Mais pas les smokes. Enfin, je pense pas que ça fasse les smokes, du coup. Ouais. Ah ouais, ça fait le feu mais pas les smokes. Mais là le feu du coup va se déclencher. Bah dans la logique il se déclenche pas. Hein. Genre il a été annulé. Ouais je pense. Bah oui du coup. Ok, et donc du coup est-ce que ça fait comme CS si je le mets après et que tu le balances dessus? Ça c'est débile ça. Ça aurait été marrant du coup de voir le truc comme à la CS quoi. Mais en revanche ça le bute totalement du coup avec Capitao. Donc la smoke rien. En revanche ça va peut-être faire le bug. Ah, je sais pas pourquoi ça t'a fait un bug tout à l'heure. Allez balance. Ah je peux pas, ça fait exactement comme un mute jammer. La question c'est va en dessous et fais la même chose maintenant. Pareil, là pour le coup c'est un hard counter de blitz lui. Hein. T'arrives, tu te barres, tu lui balances ça dans les yep, le mec il peut plus rien faire. C'est vraiment un gros counter de blitz pour le coup. Hein. Du coup quand tu cut avec le shield ça tue plus. Ah oui c'est vrai, faut qu'on regarde ça aussi. Bah du coup tu vas forcément me tuer là. Ah bon pourquoi? Je suis tout seul, à moins qu'on puisse se revive tout seul. Pourquoi ça fait quoi maintenant? Ça te met au sol? Ouais ça te met une job. Et Thatcher, je sais pas si ça... Enfin, faut le poser avant qu'il pose son gel, quoi. Vas-y, mets-le au sol. Non. Rien n'impacte notre bon Thatcher. Lance le Thatcher en premier. Je le balance en premier, bouge pas. Et tu le balances dessus. Non, non, non. Aucune action. Thatcher reste toujours aussi puissant, pour le coup. Ram, du coup. Ouais. Ok. Tu l'avais activé avant? Ouais, je l'ai activé au moment où tu l'as balancé. Et ça veut dire qu'il va repartir direct, non? Ouais. Ok, il y a quoi d'autre? Les flashs? 3, 2, 1, top. Non. On est d'accord que t'étais bon? Ouais, ouais. Ok, ça cancel pas les flashs. Les amis, n'oubliez pas sur YouTube de nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Il y a d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On arrive à la 8e année de Rainbow Six, donc est-ce que vous pensez que c'est un opérateur qui est OP? Et dites-nous ce que vous en pensez. Mis à part le recyclage des armes, qui est un peu relou, assez bien balance pour le coup. Azami, par exemple, la première fois qu'elle était sortie, j'avais trouvé ça cool, mais les kunai et les flaques qu'elle crée là, l'espèce de truc, je trouvais ça un peu moche. Et je m'étais demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient pas fait un truc un peu en mode glace. Justement des kunai de glace. Et en l'occurrence là c'est très joli quoi. Tu balances le truc, ça fait du froid, il y a l'animation, tu les entends, ils marchent dans de la neige, il y a un changement de bruit, il y a une espèce d'histoire, hein. Il y a un truc autour du gadget. Même si on dépasse les considérations réalistes, on y croit plus à ce genre de gadget qu'on ne pourrait croire au gadget de Azami.